Là, on y va avec les bonhommes de ligne offensive, mes préférés. Ceux que j'ai jamais la chance de nommer leur nom, fait que je suis vraiment content. Il provient d'Académie Saint-Louis, numéro 51, Mathieu Morin. Provenant de Saint-Jean-Eudes, le numéro 52, Thomas Leclerc. Le capitaine de cette ligne offensive provenant du collège Bourget, le numéro 64, Samuel Cahill. Provenant de la polyvalente d'ancienne Lorette, haut de ses 6 pieds 6, le numéro 66, Raphaël Allain. On amorce une séquence de receveurs de passe. Provenant l'Académie Saint-Louis, le numéro 81, Ludovic Verret. Provenant de la Courvilloise, le numéro 82, Alexis Bergeron. Du collège François de Laval, le numéro 88, Hugo Bartos. Et on termine cette superbe cohorte finissant avec une machine de ligne défensive, le numéro 93 de la Courvilloise, Samuel Moisan. Alors, mesdames et messieurs, on donne une très chaleureuse main d'applaudissement une fois de plus à nos finissants des Titans du Cégep Limoilou. Merci pour tous vos années avec le programme.
Mesdames et messieurs, accueillons toute l'équipe des Titans de Limoilou avec le plus de bruit qu'on peut faire. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au terrain Gérard Chiquette pour ce match qui oppose le Titan de Limoilou au Phoenix du Collège André Grasset. Les deux premières positions de la Ligue collégiale Division 1 s'affrontent alors qu'André Grasset a un dossier de 5 victoires et aucun revers. Et les Titans ont 4 victoires et une défaite. Les Titans se sont inclinés à Saint-Jean-sur-Richelieu avant la semaine de congé 41-34 alors qu'André Grasset l'a emporté 37-30. Sur les élans du Cégep Garneau. On se souhaite un excellent match, mesdames et messieurs. On encourage les deux équipes. Bon football, bon samedi après-midi. Quel retour de beauté! Mes amis, numéro 21, Kervin Paul, qui ramène le tout profondément dans le territoire des Titans. Belle façon d'amorcer le match. Vincent Gagné, le 23 plaqué pour sauver le toucher. Ballon qui sera déposé à la ligne de 28 des Titans pour un premier jeu et 10. André Grasset. Excellent jeu défensif des Titans. On plaquait rapidement le 99 Vincent Veilleux. Sur cette course au sol, la part d'André Grasset. Perte de deux verges. On se retrouve à la ligne de 30 pour un deuxième jeu et 12 verges à franchir. Gatan d'arrêt demandé par les Titans. Vous mentionnez, mesdames et messieurs, qu'il y a d'autres matchs dans le collégial Division 1 aujourd'hui, à la même heure, à 13h, c'est-à-dire que le Collège Notre-Dame-de-Foy visite les Élans de Garneau à 13h, également les Géants de Saint-Jean qui visitent Champlain, Lennoxville. On va vous tenir au courant des différents résultats. Notre-Dame-de-Foy qui a 3 victoires, 2 revers depuis le début de la saison. Garneau, 2 victoires, 3 défaites, alors que Saint-Jean et Lennoxville s'affrontent. Deux équipes à 3 victoires et 2 revers. Donc le classement est très serré cette année entre les 6 premières positions du circuit collégial Division 1. Après standard, situation de deuxième jeu. Et 12 verges à franchir pour André Grasset. Ça ne passe pas à nouveau. Le 44
Samuel Phoenix Terry qui réussit le plaqué. Sur cette course au sol de la part d'André Grasset qui avait été réalisée. Par le numéro 19, Grégory Mulenda-Saint-Pierre. Situation de troisième jeu et 11 verges. Une verge sur le gate sur le dernier jeu. Touché André Grasset. Numéro 5, Antoine Goupil. Réception sur 29 verges. Ballon très bien lancé par le corps arrière, José Alexandro González Garza, le numéro 12. Ça porte donc le pointage 6-0 en faveur du Phoenix en ce début de match. Transformation d'un point qui est réalisé par André Grasset après cette pénalité de 5 verges. Transformation réalisée par Louis-Félix Laurent. Alors, pour André Grasset, pour le corps arrière, le numéro 12, José Alexandro González Garza, c'est sa 13e passe de toucher cette saison. Deuxième touché pour le 5, Antoine Goupil. Retour de ballon de la part des Titans de Limoilou, plaqué 42, Rémi Levert pour André Grasset. Le retour avait été effectué par le numéro 29, Alex Bezeau. Ballon déposé au 31, premier jeu et 10, Titans. Excellente course au sol, le 39, Joël Marcotte. Au plaqué numéro 32, Julien Almesbert. Le premier de Laval, gain de 5, deuxième jeu 5 verges. Joël Marcotte, le 39. On amène ça à la ligne de 52, gain de 16. Un premier jeu pour les Titans. Passe complétée. Excellente séquence à l'attaque des Titans. Gain de 13 verges. Passe complétée par Jérémy Ouellet au numéro 9, Mathieu Boivin. Les Titans sont en très bonne position dans le territoire d'André Grasset. Ballon 43. Il y a un blessé sur le jeu.
Ah voilà, après ce temps d'arrêt en raison de blessure. Premier jeu diverge, Titan. Ligne de 43 d'André Grasset. Belle séquence à l'attaque. Passe incomplète, passe en temps, direction du 81, Ludovic Verret. Très belle couverture défensive de Julien L. Mesbert. Joueur provenant des empereurs du collège Le Tendre. Deuxième jeu diverge à franchir. Ballon bien lancé par le carrière Jérémy Ouellet. Passe tentée en direction du numéro 82. Alexis Bergeron, passe incomplète. Une belle couverture défensive de la part d'André Grasset. De quoi revue le 28, Jean-Charles Tanguay. Troisième jeu diverge à franchir. Dans l'arrêt demandé par les Titans. Pénalité sur le jeu, attendons voir. Pénalité pour avoir retenu contre les Titans. Malheureusement, ça va coûter 10 verges. Ça met donc la situation en troisième jeu et 20 verges à franchir. Cette fois-ci, ça ne passe pas pour le numéro 10 des Titans. On plaqué deux joueurs, notamment numéro 7, Benjamin Blaise. On va donc se retrouver en situation de quatrième essai. Après ce gain d'environ 6 verges pour Ouellet, on doit dégager du côté des Titans, mais belle séquence offensive. Peut-être dégagement qui va sortir en touche à la ligne de 20. Donc, le Phoenix du collège André Grasset reprend le ballon profondément dans leur territoire.
Excellente réaction défensive des Titans. Sur le ballon porté par le 19, Grégory Mulanda Saint-Pierre. Plusieurs joueurs des Titans ont plaqué. J'ai vu notamment le 44, Samuel Finkstery. Aucun gain sur le jeu. Deuxième jeu diverge à franchir pour André Gasset. Passe incomplète, passe en temps de section du numéro 11, Charles William, belle couverture défensive. Le 42, Mathis Paquette, troisième jeu diverge à franchir, on encourage la défensive des Titans. Mentionnez, mesdames et messieurs, pendant ce temps d'arrêt, que c'est le dernier match des Titans à domicile en saison régulière. Les Titans devraient être de retour pour les séries éliminatoires. Ici même sur le terrain, Gérard Chiquette. Surveillez le Facebook des Titans pour connaître l'horaire. Entre-temps, la semaine prochaine, les Titans jouent quand même dans la région de Québec vendredi prochain au Collège Notre-Dame-de-Foy. Donc, c'est un rendez-vous vendredi prochain pour le match entre les Titans et le Notre-Dame du Notre-Dame-de-Foy. Pendant ce temps, Garneau, c'est toujours 0-0 avec 5 minutes 14 à faire au premier quart. Cependant, les élans de Garneau sont dans le territoire adverse et devraient inscrire des points. Pénalité sur le jeu. Pénalité pour hors-jeu offensif. Ça va coûter 5 verges à André Grasset. Ça place donc le Phoenix en situation de 3e jeu et 15 verges à franchir. Passe incomplète, passe en temps direction du numéro 88. Timothée Némalakasse. La défensive des Titans solide sur cette séquence, on les applaudit. Le Phoenix devra dégager. Pénalité sur le jeu pour avoir mis trop de temps à remettre le ballon en jeu du côté du Phoenix d'André Grasset.
Le toucher de sûreté concédé du côté de André Grasset. On ajoute donc 2 points au tableau pour Limoilou. Le pointage est de 7-2 en faveur du Phoenix. Malassa également toujours au premier quart. Saint-Jean-sur-Richelieu et Lennoxville, c'est 0-0, donc pas de points dans les deux autres matchs à l'affiche à l'heure actuelle. Joey Marcotte gagne 12 verges. Quel début de match il a, notre 39. Meneur dans le circuit pour les verges accumulées. Premier jeu 10 titans. Ballon conservé par le carrière Jérémy Ouellet. Il y a pénalité sur le plaqué. Une pénalité pour Rudess contre le Phoenix. Ça coûte 15 verges. Ballon sera donc déposé à la ligne de 45 d'André Grasset pour un premier jeu 10 titan. Autre excellente course de Joël Marcotte qui a pénalité sur le jeu. Pénalité pour avoir agrippé le protecteur facial contre le Phoenix. Ça va coûter un autre 15 verges. Les Titans progressent rapidement vers la zone des buts. Premier jeu 10, ligne de 20 du Phoenix. Numéro 15, Johan De Geer qui porte le ballon. Stoppé en plein centre. Je crois avoir vu le 50, Luca Andreozzi. Une fois de plus, Johan De Geer qui porte le ballon. Ça sera suffisant pour un premier essai. On se retrouve en premier jeu et début. Titan. Jérémy Ouellet a conservé le ballon, mais le 50 du Phoenix. Luca Andreozzi avait prévu la manœuvre. Excellent plaqué. Ballon se retourne donc à la ligne de 9, perte d'une verge. Ouellet a beaucoup de pression sur lui. Le 26, le 42, le 7. Le 26, notamment Raphaël Lemieux. Un joueur provenant de Drummondville. C'est donc perte de terrain. Troisième jeu et début pour les Moelleux aux lignes de 16.
Passe complétée au numéro 11, Mathis Bouchard. On invite un plaqué. On se retrouve à la ligne de 3. Et tiltant sur un quatrième jeu, ils disent « Hey, on s'en va marquer le toucher, let's go! » Johan Deguir, directement de Drummondville à Québec. On ajoute 6 points au tableau pour les Titans. Les Molo prennent les devants dans le match, 8-7. Transformation réalisée par le numéro 9, Mathieu Boivin. On applaudit les Titans. On applaudit cette ligne offensive qui a poussé fort pour les trois dernières verges. C'est 9-7 Limoilou. Pendant ce temps, dans les autres matchs collégiales, il y a eu des points également. Champlain-Lenotteville a pris les devants 7-0 sur les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on me glisse à l'oreille, j'ai le meilleur informateur. On me glisse que c'est 0-0 toujours entre les élans de Garneau et le Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy, match défensif. Excellente couverture sur les unités spéciales numéro 5. Édouard Duchesne au plaqué. Sur le retour du numéro 21, Kevin Paul. On applaudit le numéro 15, les Titans, Johan Deguir. Troisième touché cette saison. Avec sa course au sol de trois verges. Belle course au sol du numéro 21. Kevin Paul. Très rapide, le joueur du Phoenix. On a un bon gain de 8 verges. Deuxième jeu, 2 verges à franchir. Pénalité pour procédure illégale contre André Grasset. Ça va coûter 5 verges. On se retrouve donc en situation de deuxième jeu. 6 verges à franchir. Pénalité pour le Phoenix qui font mal. Quelle belle course du numéro 21, Kevin Paul. Il a évité plein de plaqués. On avait le 42 notamment. Mathis Paquette qui était là.
Ça donne un gain de environ 2 verges. Pas 3. Ça place en situation de 3e jeu, 4 verges à franchir. Passe complétée au numéro 21, Kevin Paul qui sort immédiatement en touche pour chasser par le 26, Xavier. Alors, 4 verges suffisants pour un premier essai. Premier jeu 10, Phoenix, ligne de 32. Belle réaction de la part des Titans. Numéro 7, Valérie Félix. Cool. Au plaqué. Sur ce ballon porté par Kevin Paul. Gain 2. De 2 verges. Deuxième jeu, 8 verges à franchir. Des Titans solides contre la course au sol. Cette fois, c'est Étienne Lapointe, le numéro 2, qui va du plaquer sur le 21, Kevin Paul. Perte d'une verge, troisième jeu, 9 verges à franchir. On encourage la défensive des Titans. De sa carrière de ce côté-là. 45, William Maddox Derry. Gain de 3 verges sur la dernière passe à Kevin Paul. Le Phoenix doit dégager. On applaudit la défensive des Titans. Solide pour une deuxième séquence de suite. Excellente couverture sur les unités spéciales, numéro 19 au plaquet. Grégory Mulanda Saint-Pierre sur le retour d'Alex Bezo, le 29. La fin du premier quart. C'est le fun, ça, pour les arbitres quand le ballon est proche du centre à la fin du quart. Pas trop à courir. On va aller porter le ballon 40 de l'autre côté. Petite marche sympathique. On vous remercie d'être là, les arbitres. Pas d'arbitre, pas de match, on n'oublie pas ça, les spectateurs. On est indulgents. Font un excellent travail à chaque fois. Premier jeu 10, Titan, ligne de 40. Joël Marcotte qui continue de gagner les verges. Fait qu'en 5 verges, une petite course, c'est que ça va bien. Mais c'est ce qui vient d'arriver pour Joël Marcotte, numéro 42, plaqué Rémi Lebert. Deuxième jeu, 5 verges. Fais pas mentir, Joël, gagne de ses verges. C'est un premier essai. Titan. Au plaqué numéro 7, Benjamin Blaise. Premier jeu 10. Ah!
Une fois de plus, Joël Marcotte en plein centre. Numéro 90 au plaqué, Benjamin McDougall. On y va le gain de 3 verges tout près de 4. Jérémy Ouellette qui s'est défait de la pression de façon spectaculaire. Mais excellent effort du numéro 15, David William Pigeon. Produit du cactus du collège Notre-Dame à Montréal. Ballon est près du centre du terrain pour un troisième jeu et sévère à franchir. Ballon échappé, mais récupéré. Excellent jeu du numéro 22, Olivier Côté. Good job, Ali. On va donc se retrouver en situation de quatrième essai. Au centre du terrain, Sévère à franchir, les Titans vont dégager. Beau jeu défensif de la part du Phoenix. On a été solide. Excellent botté de Johan de Guille. Le ballon est resté dans les airs tellement longtemps. Ça permet à la couverture de faire le travail sur le retour de Bright Rook Kembo, numéro 2. On se retrouve donc en situation de premier jeu et diverge à franchir pour le Phoenix. Ligne de 23. Quel excellent match de football on a ici au terrain Gérard Chiquette. Donne la passe complétée. Numéro 5, Antoine Goupil, excellent catch. Écoutez, c'était un excellent jeu, un contre un des deux joueurs. Xavier Allard qui était là le 26. C'est un long gain. Et 19h, on se retrouve au 52. Passe incomplète, passe tentée en direction du numéro 11, Charles William. Excellente couverture défensive de plein de titans, dont le 25, Jean-Michel Garnier. Produit de Curé la belle. Deuxième jeu diverge à franchir. Course au sol, une fois de plus, stoppé rapidement. 99, Vincent Veilleux. Kervin Paul qui portait le ballon. Un gain d'une verge. Troisième jeu, une verge à franchir. On encourage la défensive des Titans.
Passe complétée au numéro 81, Joseph Nopan. Le gain ne sera pas suffisant pour un premier essai. On va se retrouver en situation de 4e jeu, 4 verges à franchir. Ça a été un gain de 5. Le Phoenix devra dégager. On applaudit une fois de plus la défensive des Titans. Ils tiennent fort depuis la première séquence. Excellent beauté de dégagement. Alex Bezo récupère. Poussé en touche immédiatement par David William Pigeon, le 15. Titan va être profondément dans son territoire. Premier jeu, il diverge. Un beau mur blanc sur cette course au sol du numéro 22, Olivier Côté. Numéro 7, une fois de plus, qui était là, Benjamin Blaise au plaqué. Beau gain de 5, deuxième jeu, Saint-Verge à franchir. La pénalité pour hors-jeu défensif contre André Grasset. Donc, on est tout près d'un premier essai parce que tout à l'heure, on était peut-être à 5 verges et demi. Passe incomplète. Couverture défensive serrée du numéro 50, Luca Andreozzi. Troisième jeu et quelques pouces à franchir. Ballon porté par le 15, Johan Deguire. Dépendamment de la position du ballon. Je crois qu'on va amener les chaîneurs. Belle pénétration du côté du Phoenix. On avait numéro 8, Victor-François Paradis. Allez-y, les chaîneurs! Ouais, c'est une belle course, ça. J'haïs pas ça. On avait un bon style avec des poteaux courir, c'est pas évident. Oh, c'était tout. Ça a été fait par un nez de ballon. Donc, on félicite les chaîneurs. C'est une belle course pour les Titans, je pense. Alors, premier jeu 10, les Molous, ligne de 25. «
Course en plein centre. 39, Joël Marcotte, 90 au plaqué, Benjamin McDougall. Gain de 6, deuxième jeu, 4 verges à franchir. Pour une des rares fois, Joël Marcotte n'a pas d'espace. Belle réaction du Phoenix. Ça paraît qu'on a deux bons clubs de football sur le terrain. Le 15, David William Pigeon plaqué. Perte de deux verges. Troisième jeu ici, verge à franchir. Sac du corps. Numéro 9, Farrell Gano. Directement des Diables de la Prairie. Défensive du Phoenix a été solide, a mis beaucoup de pression sur cette séquence. Les Titans devront dégager. Pas de dégagement de Johan Deguire. Retour d'environ 4 verges de Maxence Frenière. Plusieurs titons plaqués, donc 31 Victor Lavoie. Phoenix a une position avantageuse de terrain aux lignes de 51 des titans. Pendant ce temps à l'extérieur, 14-7 Champlain-Lenoxville sur Saint-Jean-sur-Richelieu, environ 3 minutes à faire au deuxième quart. Et le Notre-Dame du Notre-Dame de Foix vient de s'inscrire au pointage, c'est 7-0 sur les élans de Garneau. En arrêt demandé par André Grasset. Il y a également, ça va commencer dans 10 minutes, le Rouge et Or qui va affronter les Carabins de l'Université de Montréal au Sepsum. Le Rouge et Or doit gagner par 18 points s'ils veulent accueillir la finale de la Coupe Bonesmore, si jamais ils s'y rendent, évidemment. Et dans le collégial américain, il y a plein de bons matchs. Les meilleures équipes sont présentement en action. Donc, Georgia qui mène à la demi 24-7 sur Vanderbilt. Michigan mène à la demi 21-7 sur Indiana. Ohio State, fin de deuxième quart, c'est 20-0 sur Purdue. Et les numéros 4 au pays. Florida State mène 17-3 sur Syracuse. La pénalité sur le jeu. Après consultation, on y va avec la pénalité pour procédure illégale contre le Phoenix. Ça coûte 5 verges. Sur son premier jeu, 15 verges à franchir, ligne de 54. Passe incomplète. Excellent jeu défensif du numéro 26, Xavier Allard. Belle protection du carrière du côté d'André Grasset. Deuxième jeu, 15 verges à franchir.
Il y a pénalité sur la course du numéro 21, Kevin Paul. Au plaquet, on avait le numéro 2, Étienne Lapointe. Pénalité pour avoir retenu contre André Grasset. Pénalité à nouveau sur le jeu. Pénalité pour procédure illégale contre le Phoenix. On recule de 5 verges à nouveau. On se retrouve donc 20 verges plus loin. On est à deuxième jeu et 30 verges à franchir. Son sol, numéro 19, Grégory Mélanda-Saint-Pierre, 42 au plaquet. Mathis Paquette, directement de l'Académie Saint-Louis. Court gain sur le jeu. Troisième jeu. Et beaucoup, beaucoup de verges à franchir pour André Grasset. Sur le jeu. Pénalité pour passe interférence contre les Titans. Ça donne un premier jeu automatique au Phoenix. Ligne de 51, premier jeu 10. Belle course du carrière, le numéro 12. José Alexandro González Garza a pénalité sur le jeu. Finalement, il n'y a pas de pénalité sur le jeu, donc le gain est bon. Deuxième jeu, trois verges à franchir, gain de 7 verges. Passe complétée au numéro 10. Maxence Frenière au plaquet 31, Victor Lavoie. Gain qui ne sera pas suffisant pour un premier essai. Gain 2, troisième jeu, une verge à franchir.
course à l'extérieur et à pénalité sur le jeu. Pénalité pour avoir retenu contre André Grasset. Et également pénalité pour conduite antisportive, je crois bien, contre le Phoenix. Ça fait donc reculer le tout. Ça place le Phoenix à la ligne de 51. Donc, ça les met en situation de troisième jeu et 20 verges à franchir. C'est le temps d'arrêt des trois dernières minutes réglementaires de la première demi. On a un excellent match de football avec plein de revirements. 9-7 au pointage pour les Titans. Toujours pas de changement dans les autres pointages également au niveau du football collégial de Division 1, c'est-à-dire que Lennoxville a toujours les devants 14-7 sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy mène 7-0 sur les élans de Garneau. On vous rappelle, on s'approche de la demi, donc n'hésitez pas à aller visiter notre superbe casse-croûte sous le préau dans la zone des buts du côté des bancs. Des Titans de Limoilou, il y a des hot dogs pas chers, il y a des palettes de chocolat, des chips, il y a plein de choses. Allez-y, amusez-vous. Allez vous régaler, allez vous gâter, ça va vous réchauffer le cœur un peu. Passe incomplète, passe en temps en direction du numéro 11, Charles William. Il y a de la rapidité dans ce joueur-là. On se retrouve donc en situation de quatrième jeu. Le Phoenix devra dégager. Partant les Titans, on applaudit la défensive de Limoilou. Qui sort en touche sur le boté de dégagement. Boté de dégagement qui avait été réalisé par le numéro 30, Alexis Barbeau. Position de terrain du côté des Titans. Alors, ligne de 22 pour un premier jeu et 10. J'entends ici dans la cabane d'annonceur, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. C'est parce que le ballon a changé de direction trois fois. Mais le voilà dans la zone début, Alex Bezo, le 29.
88 verges de toucher, 15-7 titans. Transformation réalisée par le numéro 9, Mathieu Boivin. Moi, il faut que je félicite le 10, Jérémy Ouellet, le carrière. J'ai vu aller faire un bloc au centre du terrain, comme si c'était un haut line à Wainamonger. On se retrouve à 16-7 avec cette transformation réussie. Deuxième touché du match pour les Titans. C'est un premier touché cette saison pour le 29 des Titans. Alex Bezo, on l'applaudit! Oh, que ça passe près, mes belles réactions du Phoenix. Sur ce beau poté qui sautait un peu partout. Ça roule pas comme un ballon de soccer, un ballon de football, mais récupéré par André Grasset. Blessé sur le jeu. J'en profite pour vous dire de suivre les Titans sur la route, car le prochain match sera dans la région de Québec, face au Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy, vendredi prochain, là-bas, au campus de Notre-Dame-de-Foy, qui est situé à Saint-Augustin. Le match de vendredi prochain contre le Notre-Dame sera disputé à 19h30. Passe rabattue, pénalité sur le jeu. On a retenu du côté d'André Grasset. Faut croire que la ligne défensive des Titans met trop de pression. Belle course au sol, André Grasset, numéro 19, qui porte le ballon, Grégory Mulanda-Saint-Pierre. Il va d'un gain appréciable sur ce premier jeu et 20 de 7 verges. On se met donc en situation de deuxième jeu et 13 verges à franchir. Incomplète passe en direction du numéro 88. Timothée Neymar Lacasse manquait pas beaucoup de choses là-dessus. Tout qu'un bras de José Alexandro González Garza. Pas pour rien que la 13 passe de toucher depuis le début de la saison. Troisième jeu et 13 verges à franchir.
Passe captée par le numéro 11, Charles William, poussé en touche par Mathis Paquette. Le gain ne sera pas suffisant pour un premier essai. On se retrouve en quatrième jeu. Sévère à franchir. André Grasset devra dégager. Boîte de dégagement qui va sortir en touche, tout près de la ligne de 40. Belle décision d'Alex Bezos de ne pas avoir tenté de récupérer cette patate chaude. Ligne de 40, premier jeu 10, Limoilou, 1 minute 9 à faire en première demi. Courte passe à Joël Marcotte qui fonctionne. Marcotte gagne les verges nécessaires pour le premier essai. Gain 10, premier jeu 10, les Moilous. Course au sol de Joël Marcotte pour 4 verges. Au plaqué numéro 7, Benjamin Blaise. Deuxième jeu, Siverge. Une fois de plus, Joël Marcotte qui porte le ballon. Il est stoppé par plusieurs joueurs, dont 91, Joseph Abid. Troisième jeu, une verge. Passe complétée. Numéro 11, Mathis Bouchard. Au plaqué numéro 8, Victor-François Paradis. Bien suffisant pour un premier essai. Les Titans sont dans le territoire d'André Grasset. Ligne de 40, premier jeu 10. Passe complétée! Excellent travail du carrière Jérémy Ouellet qui se défait de la pression. Rejoint Félix Côté sans façon le long de la ligne de côté. Belle progression du côté des Titans. Ligne de 24, premier jeu et 10.
Numéro 81, Ludovic Verrette. Excellente réception, 34 au plaqué. Nadir Tar, ciao. Game 14. Ligne 11. Premier jeu est 10, Titan. 10,8 secondes. En arrêt demandé par le Phoenix d'André Grasset, les Titans qui se sont positionnés en situation de bataille de placement. Bâté de placement réussi, numéro 9, Mathieu Boivin. Excellente fin de demi pour les Titans. 6 points marqués dans les deux dernières minutes. C'est 19-7 en faveur de Limoilou à la demi. Pause à la demi, on vous invite à aller au fameux casse-croûte des Titans sous le préau derrière la zone des buts. On se revoit pour la deuxième demi de cet excellent match de football.
Alors, ça sera le début de la deuxième demi. Très bientôt. On se rappelle que les Titans vont recevoir le ballon pour débuter cette deuxième demi. En avance, 19-7, les touchés dans le match jusqu'à présent. Antoine Goupé, réception sur 32 verges. Deuxième touché de la saison, le seul touché du Phoenix pour le moment. Du côté des Titans de Limoilou, Johan Deguire, son quatrième touché de l'année, une course de 3 verges sur le quatrième et les buts. Qui donnait le premier touché des Titans? Et on se souvient ce fameux jeu double renversé. 82 verges plus loin, premier touché de la saison d'Alex Bezos. C'est les touchés jusqu'à présent dans cette rencontre. Les 5 autres points ont été résultats d'un botté de placement sur le dernier jeu de la première demi de Mathieu Boivin et un touché de sûreté concédé par le Phoenix. Alors, on vous souhaite une belle deuxième demi, mesdames et messieurs. On s'amuse. On encourage les deux équipes. Bon match. Bonne deuxième demi. Bon retour d'Alex Bezos sur une trentaine de verges. Excellent plaqué sur les unités spéciales. Numéro 50, Luca Andreozzi. Là, il est en début à leur ligne de 30 pour un premier jeu diverge à franchir. Course au sol de Joey Marcotte. Encore une fois, un gain productif en premier essai. Numéro 90, Benjamin McDougall au plaqué. Vient de sa verge, deuxième jeu 3. Il est inarrêtable! On transforme une perte de 2 verges en gain de 3 verges. 39 joueurs et Marcotte. Premier jeu, Titan. Une fois de plus, Marcotte qui porte le ballon. Numéro 12 au plaqué. Pardonnez-moi, pas du tout le 12, mais le 42 au plaqué Rémi Levert. Passe complétée au numéro 13 des Titans, Alexis Bourque, qui gagne plusieurs verges après l'attraper. On se retrouve donc à la ligne de 50 du Phoenix. Très belle séquence à l'attaque des Titans. Premier jeu 10. Johan Deguire va une course en plein centre. Très physique, 91 au plaqué. Joseph Abid. Du gars des maraudeurs du Collège Laval. Gain de 3 verges. Deuxième jeu, c'est verges. Très beau jeu du numéro 91 d'André Grasset. Joseph habite sur ce plaqué qui ne donne pas de gain. Au Titan, troisième essai. Ludovic Verrette, le 81 qui se démarque. Quel ballon bien lancé par Jérémy Ouellette. Gain de 36 verges pour les Titans. L'offensive débute très bien la deuxième demi.
Ballon ligne de 14. Premier jeu est Titan. Temps d'arrêt demandé par les Titans. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est le dernier match des Titans à domicile. On vous remercie d'être toujours présents en si grand nombre ici même sur le terrain, Gérard Chiquette. Les Titans vont aller terminer la saison à l'étranger, notamment avec un match vendredi prochain face au Notre-Dame, du Collège Notre-Dame de Foix. C'est à Saint-Augustin. Le terrain est devant, est derrière le campus, hein, devrais-je dire, à Saint-Augustin. Donc, ce n'est plus sur le terrain du Blizzard du Séminaire Saint-François, mais bien sur le terrain du campus Notre-Dame de Foix. Le match sera à 19h30. Madame Chapin est récupérée immédiatement par le carrière Jérémy Ouellet. Perte de terrain sur la séquence. Deuxième jeu pour les Titans. Il y a environ 15 verges à franchir. Numéro 10, Jérémy Ouellet garde le ballon. Mais très belle pourchasse du numéro 2, Bright Rukendo. Donc les Titans se retrouvent en situation de troisième jeu. Et environ 13 verges à franchir. Passe complétée, numéro 11, Mathis Bouchard qui capte encore un ballon tout près de la zone début. Il est utile, ce receveur de passe. On se retrouve en situation de quatrième essai, une verge à franchir. Johan Deguire va chercher le premier essai. Très grosse course en plein centre. Premier jeu des petits temps. Une fois de plus, le numéro 15, Johan Deguire. Touché Titan! Johan Deguire franchit les deux verges, marque son deuxième touché du match. Encore une fois, une grosse réception sur un troisième jeu et long de Mathis Bouchard. Le numéro 11, on le félicite. On applaudit aussi toute cette belle ligne offensive qui s'en vient devant moi. Grosse job, les boys! La transformation de Mathieu Boivin est complétée. C'est maintenant 26-7 Titans.
On applaudit notre titan. Quelle performance, quelle séquence à l'attaque pour débuter cette deuxième demi. À l'instant, au niveau collégial, ailleurs dans le circuit, c'est 21-14 pour Champlain et Knoxville sur les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Résultat de fin de troisième quart. Et à Garneau, c'est toujours 7-0 en faveur du Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy contre les élans de Garneau. Je sais que les entraîneurs des Titans m'ont dit hey, on va sûrement réécouter le match du Rouge et Or après l'avoir enregistré. Fait que dit-on pas les pointages. Mais je peux juste dire que ça n'a pas bien commencé. Excellent retour, une fois de plus, du numéro 21, Kevin Paul. Beau plaqué, unité spéciale. Numéro 5, Édouard Duchesne. Ballon 32, premier jeu, c'est Phoenix. Belle course à l'extérieur du numéro 21, Kevin Paul au plaqué, le 23, Vincent Gagné. Gain de 8 verges, deuxième jeu de verges à franchir. Autre ballon porté par Kevin Paul au plaqué 7. Valérie Félix à couler. Pas cette fois-ci. Plusieurs joueurs des Titans plaqués, 90, notamment Vincent Carreau. Sur la course au sol de Kevin Paul. Perte de terrain de 2 verges. Deuxième jeu, 12 verges à franchir pour André Grasset. Excellent travail, une fois de plus du 7, Valérie Félix à couler. Plaqué réalisé sur le numéro 21, Kevin Paul sur cette réception de passe. Tigane une verge, troisième jeu, 11 verges à franchir. Passe incomplète. Passe en direction du numéro 11, Charles William. On devra dégager du côté du Phoenix. Partissant les Titans, on applaudit une fois de plus la défensive de Limoilou qui ne concède rien présentement à l'offensive d'André Grasset. Thank you.
Pot est bloqué! Numéro 7, Valéry Félix a coulé! Quel match il connaît! Le finissant des Titans qui laisse sa marque à nouveau! Bonne position de terrain pour les Titans qui dominent depuis la fin du premier quart. Alors, revirement sur les unités spéciales pour les Titans, qui vont avoir une bonne position de terrain. Le ballon va être positionné au 22. Pour un premier jeu et 10. Titans qui mène par 19 points, 26 à 7. Passe incomplète, numéro 13, Alexis Bourque. Ça a passé bien près d'être un touché. Deuxième jeu diverge. Joël Marcotte qui court en plein centre, gagne encore plusieurs verges. 42 au plaqué. Rémi Levert. Deuxième jeu et 5 verges à franchir. Parlez-moi, troisième jeu. À nouveau, Joël Marcotte qui porte le ballon, plaqué par le numéro 50, Luca Andreozzi. On se retrouve en situation de quatrième jeu et deux verges à franchir. L'unité de beauté de placement s'amène sur le terrain. Placement réussi par Mathieu Bovin, son deuxième du match. 29 points consécutifs pour les Titans. Le gros jeu sur cette séquence a été Valéry Pélézacourlet qui a bloqué le botté de dégagement. Pendant ce temps, on a des mises à jour. Lennoxville a pris les devants par 14 points. C'est 28-14 sur les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors que le Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy s'éclate à Garneau, c'est 17-0. Thank you.
excellente course à l'extérieur. Numéro 19, Grégory Mudenda Saint-Pierre. Plaqué solide le long de la ligne de côté, Jean-Michel Gagné. Et c'est un très, très, très bon gain. Gain de 24. Premier jeu 10, Phoenix. Passe complétée au numéro 5, Antoine Goupil. Excellent gain une fois de plus. 14 verges, premier jeu Phoenix. Ballon porté par le numéro 21, Kevin Paul. C'est une belle séquence à l'attaque pour le Phoenix. Ça va être tout près d'un premier essai. Passe complétée au numéro 11, Charles William. Au plaqué 42, Mathis Paquette. Le Phoenix attaque, excellente séquence. On est à la porte des buts, ligne de 2. Ballon porté par le numéro 19, Grégory Mulenda Saint-Pierre. Ce n'est pas suffisant. On est stoppé à la ligne de 1. Deuxième jeu, début Phoenix. C'est confirmé, c'est un touché pour le Phoenix. Faufilade du carrière, numéro 12, José Alexandro González Garza.
qui complète ce toucher. On ajoute 6 points à André Grasset. Ça apporte donc le pointage à 29 à 13. Le Phoenix revient dans le match. Transformation réussie par André Grasset, numéro 11. Charles William. L'écart est donc de 15 points, 29-14. En faveur des Titans, 1 minute 57 à faire. Au troisième quart. Très bon retour, on a une bonne position de terrain. Au cégep Limoilou, numéro 22. Olivier Côté ramène le tout à la ligne de 44. Premier jeu 10 Titans. Belle course de Bendol, il est côté deux joueurs au plaqué pour le Phoenix, notamment le 34, Nadir Tar-Tchaouch. Gain de 7 verges, deuxième jeu, 3 verges à franchir. Olivier Côté franchit la distance pour le premier essai, gain de 4. Au plaqué numéro 9, Farrell Ganeau. Les Titans sont en situation de premier essai, centre du terrain. Beau travail du front défensif du Phoenix sur cette course au sol de Johan De Guy. Numéro 90 au plaqué, Benjamin McDougall. On se retrouve en situation de deuxième essai, 13 verges à franchir. Une fois de plus, Phoenix réagit rapidement sur ce ballon porté par Joël Marcotte. Benjamin Blaise au plaqué numéro 7. Ballon qui est au 47. Les Titans ont un troisième jeu et long à faire. Ils avaient été gâtés les arbitres aujourd'hui quand on change de côté de terrain au centre. Pas de chanceux. On est en situation de troisième essai et environ 10 verges à franchir pour les Titans, début de quatrième quart.
Passe complétée au numéro 88, Hugo Bartos. Plusieurs Phoenix au plaqué, notamment 34, Nadir Tarchaouch. Le gain n'est pas suffisant pour un premier essai. Les Titans devront dégager. Phoenix qui se redonne du momentum en début de quatrième quart. Son tour d'un botté bloqué. Ballon récupéré par le numéro 8, Victor-François Paradis. Ça donne une bonne position de terrain au Phoenix. Le match n'est pas terminé, 29-14, Limoilou. Pendant ce temps, Garneau, le Notre-Dame de Notre-Dame-de-Foy, vient de creuser son écart. C'est 20-0 sur les élans de Garneau. Passe incomplète, passe en direction du numéro 10, Maxence Frenière. Deuxième jeu diverge. Passe incomplète. Belle pression défensive des Titans. Numéro 23, Vincent Gagné. Nice job, Vince. Troisième jeu diverge de franchise. Donnez-moi celle 33, Olivier Savard, qui a fait la pression. Good job, Olivier. Le 90, Vincent Carreau. Quand on parle de réagir au bon moment, la défensive des Titans vient de le faire après le revirement. On les applaudit. Botté de dégagement qui sort en touche. Les Titans vont reprendre le ballon en offensive. Quel sac du corps une fois de plus de Vincent Carreau, le 90 de Limoilou. Ballon porté par le 39, Joé Marcotte de Wright Lukende au plaqué. Carrière numéro 10, Jérémy Ouellet qui garde le ballon. Plusieurs joueurs au plaqué, notamment 15, David William Pigeon.
gain de deux verges. Troisième jeu, une verge à franchir. Échappé par les Titans. Il s'est récupéré par le collège André Grasset. Autre bonne position de terrain pour le Phoenix. Voyons voir s'ils vont en profiter cette fois-ci. Ballon 42. 10 minutes 51. Quel match de football! Deux extraordinaires équipes sur le terrain. Passe complétée au numéro 88, Timothée Neyman-Lacasse. Il y avait le numéro 5 au plaqué, Édouard Duchesne. Deuxième jeu, deux verges à franchir, gain 8. Passe incomplète, passe tentée en direction de Charles William. Édouard Duchesne qui arrivait en protection défensive. Troisième jeu, deux verges à franchir. Course en plein centre d'André Grasset, suffisante pour un premier essai, numéro 19. Grégory Mullenda-Saint-Pierre. Le ballon va être déposé à la ligne de 26. Premier jeu 10. Phoenix. Passe incomplète. Passe en direction du numéro 11, Charles William. Deuxième G10. Ballon porté par le numéro 19, Grégory Mulamba-Saint-Pierre. Belle poursuite du 99, Vincent Veilleux. Un gain de 4 verges. Troisième jeu, 6 verges à franchir. Pénalité de 5 verges pour procédure illégale contre le Phoenix.
Ça les place donc en situation de troisième jeu et 11 verges à franchir. On encourage la défensive des Titans. Passe incomplète. Passe tentée en direction du numéro 80, Nicolas Lavigne. Situation de quatrième essai, le Phoenix va y aller. Oh, quel moment important, on encourage la défensive des Titans. Il y aura un temps d'arrêt du côté de Limoilou. Pendant 5 minutes à faire au match, Lennoxville mène 28-21 sur les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a pénalité sur le jeu. Pénalité pour avoir grippé l'intérieur des épaulettes lors du plaqué. Ça coûte 15 verges au Titan. Et ça donne un premier essai automatique au Phoenix. Qui vont ainsi se retrouver à l'intérieur de la ligne de 10. Ballon positionné à la ligne de 8. Premier jeu et début Phoenix. Ballon porté par le numéro 19, Grégory Miranda Saint-Pierre. Valérie Félix a coulé au plaquet. On s'approche dangereusement de la zone des buts. Deuxième jeu et des buts. Ligne de 4. Le carrière garde le ballon et marque. Deuxième touché du match pour le numéro 12. José Alexandro González Garza. Excellent match pour lui à nouveau. Une passe de toucher, deux touchés par la course. On s'en va pour la tentative de converti. Transformation réussie, pénalité. Ça apporte le pointage à 29-21. Les Titans mènent par 8 points. 6:48 à faire au quatrième quart. Pendant ce temps, match terminé. Lennoxville l'a emporté. 28-27 sur les Géants de Saint-Jean. Quel match on a eu le droit là-bas également. Un match excitant comme on a ici.
du côté du Roger-Or Carabin. Je sais que les entraîneurs de Limoilou ne voulaient pas que je nomme le pointage, mais vous pourrez ne pas écouter la première demi, je vais vous le dire. C'est 21-0 Carabin. Et le chronomètre continue de s'égrener du côté de Garneau avec Notre-Dame-de-Foy en avance, 20-0. Il y a une pénalité pour Rudess contre les Titans sur le converti. Ceci explique que le botté d'envoi va se faire à partir de la ligne de 50 pour le Phoenix. Ouais, bien, Alex Bezos, on donne jusqu'à date un bon crédit pour ce match-là. Quel retour! Il y avait possibilité de 5 du côté du Phoenix qui a ramené le match à 7 points. Mais Alex Bezos a ramené ça, lui, jusqu'à la ligne de 29. Il a dit, il n'y en aura pas de 5. Et voilà. Premier jeu 10. Ballon porté par Joël Marcotte, stoppé rapidement. Numéro 91 au plaqué, Joseph Hamid. Passe incomplète, passe tentée en direction du numéro 81, Ludovic Verret. Belle pression défensive de la part du Phoenix. Le 90 qui était là, notamment Benjamin McDougall. Troisième jeu, une verge à franchir pour les Moiloux. Passe incomplète en direction d'Alexis Bourque. Belle pression une fois de plus. Le 50, Luca Andreozzi. Le Phoenix a du momentum depuis la fin du troisième quart. 5 minutes 20 à faire. 29-20 les Limoilous. Quel travail, Yoann Deguy!
Il a marqué deux touchés. Il récupère son propre botté. Et voilà, il n'y a pas de pénalité. Quand on parle de jeu important, en voilà un. On rate le poté de dégagement, c'est un peu trop court. Hey, c'est pas grave, mais allez chercher ça. Nice job, Johan Neguil. En instant, Cégep Garneau, pointage final, 20-0. Notre-Dame de Foy l'emporte sur les élans. Notre-Dame de Foy a maintenant un dossier de 4 victoires et 2 revers. Les élans, 2 victoires et 4 revers. Même principe du côté de Lennoxville, qui est passé à 4 victoires, 2 revers, avec leur victoire de 28-27 sur les géants de Saint-Jean. Saint-Jean sont à 3 victoires et 3 revers. Donc après ce jeu spectaculaire de Johan Deguire, le 15. Ballon 50, premier jeu de 10, Limoilou. Allez, Titan. Touché, Titan. Directement de Saint-Pat. La connexion! Jérémy Ouellet, Xavier Baudouin, paf! On brise le plaqué! On se souvient de Julio Anneguin, mon King, c'est toi qui as amené ce toucher-là! Jeu de 50 berges! 35-21, les Moineaux! Transformation réussie par le numéro 9, Mathieu Boivin. Limoilou reprend les devants par 15, 36, 21, 4, 25 à faire. Et les partisans des Titans, allez, on fait du bruit. On applaudit notre équipe. Poté d'envoi récupéré par le numéro 24, Manoli Dimopoulos. On ramène le tout jusqu'au 35. Ça sera donc un premier jeu et 10, Phoenix. Passe complétée au numéro 11, Charles William. Au plaqué numéro 42, Mathis Paquette. On est en situation de deuxième jeu, 5 verges.
Belle course au sol du numéro 21. Kevin Paul. Au plaqué numéro 2, Étienne Lapointe. Bien suffisant pour un premier essai. Le Phoenix ne lâche pas. Ballon 54, premier jeu et 10. Passe incomplète. Tente en direction du numéro 22. David Mailloux-Colin. Quel saut du numéro 2, Étienne Lapointe. Oh, moi, il n'avait jamais sauté aussi haut. Deuxième jeu et 10. Passe incomplète, superbe pression de la part de la ligne défensive des Titans. Le 99, Vincent Veilleux. C'est le temps d'arrêt des trois dernières minutes réglementaires. Dernier match de la saison régulière ici. Pour les Titans, avec une victoire, les Titans s'assureraient possiblement d'une semaine de congé lors de la première semaine des séries et accueilleraient une demi-finale ici. Sur le terrain du cégep Limoilou. Dans la première fin de semaine du mois de novembre, vous rappelez que le bol d'or, les Titans sont champions défendants, aura lieu le vendredi 17 novembre au stade des Diablos de Trois-Rivières. Est-ce que cette année, il y aura de la neige et du froid comme à Thetford Mines l'an passé? On se pose cette question-là. Ouais, j'entends qu'il faisait fret. Ben non, voyons donc. Il faisait fret, certain. Sinon, hein, n'oubliez pas, vendredi prochain, le Notre-Dame de Notre-Dame de Foy vient d'emporter 20-0 sur les Alain de Garneau. Ben, c'est le prochain rendez-vous de nos Titans. Ça sera là-bas, au campus Notre-Dame, 19h30, vendredi. Entre-temps, troisième essai. Numéro 23, Vincent Gagné. Les Titans qui font les gros jeux au bon moment. Nice job, Vince Gagné. 36-31-2-37 à faire. Les Titans s'en vont lentement mais sûrement vers la victoire. Deuxième interception cette saison pour Vincent Gagnon. L'applaudit, mesdames, messieurs. Pendant ce temps, le 22, Olivier Côté vient de porter le ballon sur deux verges. Deuxième jeu, 8 verges pour les Titans. Il attend l'arrêt demandé par le collège André Grasset, parmi nos joueurs qu'on peut applaudir. 39, Joël Marcotte, 104 verges de gain au sol. On l'applaudit.
très belle course au centre à nouveau. Olivier Côté, le 22. Il est stoppé par plusieurs joueurs du Phoenix, notamment numéro 7, Benjamin Blaise. On se retrouve en situation de troisième essai et une verge à franchir. Et voilà, c'est un premier essai. Olivier Côté en plein centre, une fois de plus. C'est exactement ce que ça prend pour les Titans. Premier jeu, 10, les Moileaux, ligne de 30. Le chrono va continuer de s'écouler. Ballon gardé par le carrière. Jérémy Ouellet qui fait très bien, glisse au sol pour continuer à couler l'horloge. C'est un gain de tout près de 6. Gain de 6. Deuxième jeu, 4 verges à franchir. Juan de Guire porte le ballon plein centre, stoppé une fois de plus par le numéro 7. Benjamin Blaise, excellent match pour le produit d'André Grasset. Il y a un blessé sur le terrain. Alors pour le reste de la saison des Titans, et on se retrouve évidemment avec le match, comme je disais, à Notre-Dame-de-Foy vendredi prochain. Et les Titans vont terminer leur saison régulière samedi le 28 octobre, 20h, contre le Vieux-Montréal. Par la suite, il y a les quarts de finale qui opposent les positions 3 et 6 et 4 et 5. Et si ça continue comme ça, les Titans termineraient dans les deux premières positions. Donc, ça nous amènera à des demi-finales qui seront déroulées normalement aux alentours du 11 novembre pour le Bol d'Or à 19h le 17 novembre au stade des Diablos. Voilà, ballon porté en plein centre par Johan Deguay. Par Olivier Côté, pardonnez-moi. C'est suffisant pour un premier essai. Ça scelle l'issue du match. Les Titans vont pouvoir se placer en formation victoire. Voilà, pointage final.
36-21, Titan de Limoilou l'emporte sur le Phoenix d'André Grasset. Deux superbes équipes de football qu'on souhaite revoir en finale. Ça serait tellement un bon match le 17 novembre prochain au Stade des Diablos. Félicitations, deux équipes. Excellent match, Johan Deguire, deux touchés. Joey Marcotte, 104 verges au sol. Faut pas oublier un touché par la passe et deux touchés au sol du carrière José Alexandro Gonzalez, Garça du Phoenix d'André Grasset. Limoilou sera en visite à Notre-Dame-de-Foy vendredi prochain, 19h30. Déplacez-vous, c'est à Saint-Augustin, c'est pas trop loin. Samedi, le 28 octobre, contre Vieux-Montréal, 20h. Et par la suite, dépendamment du classement, les Titans vont jouer en série. Normalement, le match de série devrait être ici samedi, le 11 novembre. On vous souhaite un excellent retour à la maison. Merci d'avoir été présent si grand nombre. Et on se dit au mois de novembre.